Il y avait des gens angoissés, il y avait des gens qui étaient perdus. Et la parole de Dieu, quand j'ai porté la parole, c'est le Seigneur qui fait, hein. Mais Dieu se sert des hommes. Et là, bien sûr, quand j'ai porté la parole, j'ai fait l'appel, il y a eu un peu plus de 40 personnes qui s'est donné au Seigneur. Et ensuite, j'ai appelé ceux qui vivaient dans l'angoisse, dans la tristesse. Je vous dis, de la part de Dieu, il y avait plus de gens que là, qui se levaient en pleurant devant Dieu. Et là, le Saint-Esprit me dit, il y a une femme qui va faire quelque chose de très mal, de très très mal. Alors j'en ai parlé au père italien, et il a dit, j'ai fait l'appel. Et la femme est venue devant le pasteur, il a dit, c'est quoi cette femme? Cette femme, je ne sais pas si vous lui donnez la mort, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, si elle voulait quitter son mari, j'en sais rien, mais le Seigneur, lui, le savait. Et ce soir, moi, je ne vous connais pas, je connais des visages. Mais Jésus, lui, qui est tout puissant, il va plus loin que ton visage. Amen. Il voit ton cœur ce soir. Il voit ta vie. Il sait celui qui lui appartient ce soir. Et celui qui n'appartient pas, il vous connaît ce soir. Dieu vous connaît. Dieu connaît votre vie. On peut essayer de s'arranger dans la grâce. Le visage, on peut le coiffeur, on peut faire plein de choses. On peut se maquiller pour les femmes, ça change un peu. Le look. Mais le look de ton cœur est toujours le même. Où il y a de l'angoisse, de la tristesse, où il y a le péché. Dieu connaît vos cœurs. Amen. Il avait dit ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Et ce soir, la parole de Dieu, j'aimerais qu'elle vienne jusqu'à toi. Et qu'elle bénisse ta vie. Et qu'elle transforme ta vie. Oui, dans le Jean de 7, où il a changé d'envers. Un jour, il a changé ma vie, la vie de roi, des tous les frères et sœurs. Il a changé ta vie, mon ami. Toi qui appartiens à Dieu encore, qui est encore sur les rivages, qui est là et qui fonce encore, et qui t'enfonce et qui ne voit pas, je bénis Dieu que la parole de Dieu t'aime voir. Il va te montrer que là, c'est la conviction. Et que là, ici, dans la réunion ce soir, alors tu peux recevoir la vie, trouver la vie. En Jésus-Christ. Amen. Alors il est capable de tout transformer, il est capable même de réparer où il y a eu des failles dans la famille, où il n'y a plus rien, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien du tout. Il s'est passé des déchirements, il s'est passé pas mal de choses dans ta vie, dans ta famille, mais le Seigneur est capable de tout réparer. Amen. Ah la tristesse, Dieu voit la tristesse. Il a dit, j'ai vu la tristesse de mon peuple. Qui était là en esclavage depuis 430 ans, il a vu. Amen. Amen. Et il te voit ce soir. Amen. Et il voudrait que tu viennes à lui ce soir. Sans plus tarder. Pourquoi? Car ces jours, ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal. Afin que vous viviez. Aujourd'hui, on vit vraiment dans la misère, dans le mal. Il y a des mauvaises nouvelles. Mais ce soir, la parole. C'est une bonne nouvelle, tu peux changer ton cœur, tu peux te pardonner, cette bonne nouvelle, c'est Christ, il peut changer ta vie, Alléluia. Il peut tout transformer, bienvenue, bienvenue, tu peux repartir sauvé. C'est un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu d'amour, la vie qui tient pas du temps d'ignorance, que tu vas ignorer les chants de Dieu, mais il fixera Dieu pour que tu te convertisses. C'est ce soir, Dieu, c'est ici. Ce soir, c'est vrai que j'étais fatigué, mais peu importe, il y a des codes chez nous, là. On a arrêté, avec les voyageurs ensemble. Il y en a 6. Ils commencent de 4h du matin, jusqu'au matin. Même l'après-midi, ils n'ont toujours pas. Vous voyez, ça fait 2 jours que je suis là, mais bon, peu importe. Mais je vais prêcher la parole de Dieu. Oui, le tronc m'a fait pas mal de mal, ça m'a fatigué un peu, mais peu importe. C'est pas grave. Jésus lui-même, il est là souffrant. On l'avait fouetté de 39 coups de fouet. Au prétoire, toute une équipe de soldats l'avait frappé. Et il avait dit que quand il sort du prétoire, on va lui mettre une couronne de vigne. Et là, imaginez-vous qu'on frappe en bois des roseaux. La souffrance qu'il avait, lui, s'il portait sa croix à Jérusalem, j'y étais plusieurs fois. Donc je connais, sans compter tout ce qu'il a subi après. Imaginez-vous qu'il le faisait avec joie. Et quand j'ai prêché, ça m'arrivait vendredi, ça. J'ai prêché dimanche, je souffrais, j'avais mal, j'avais le cou bloqué. C'était incroyable le mal que j'ai pu recevoir. Ce coup-là mortel,
et là avec les points étouffés, avec la souffrance, mais avec joie je prêcherai. Et soit, mais on peut dire, oh, j'ai de la tête ouverte, donc on les points, prêchez-toi. Non, je veux parler du Christ. Amen. Parce que Jésus revient. Et la Bible dit, il ne crie pas vers moi dans mon cœur. Il s'est donc du cri à lui. Amen. Il va dire à ton secours, ton compagnon, ta famille, ta soeur, ton frère, on va venir à Dieu. Et toi, il n'y a pas longtemps que tu viens dans cette salle. Et là, tu te régales. Tu envie vite la réunion pour venir écouter les chants, les témoignages. Là, c'est une merveille. Parce que ça te fait du bien. Et aujourd'hui, le Seigneur veut plus que te faire de bien. Il veut que tu deviennes son enfant. Amen. Il veut que tu lui donnes toute ta vie. Pas un cœur partagé, vous savez, un cœur pour le monde et un cœur pour Christ. Non, donne-lui tout ton cœur ce soir. Il verra ta vie changer. Il verra les ténèbres, les angoisses, toutes les choses, les peurs qui vont partir chez toi. Et tu vas voir là le Christ installé, sa présence, son esprit. Je te laisse conduire, j'ai tout un message, mais Dieu connaît tout. Amen. Il voit tout, le Dieu voit du monde, mais ça s'arrête là, parce que l'homme est limité. Mais lui n'est pas limité. Amen. Il peut t'appeler par ton nom ce soir. Amen. Parce qu'il te connaît. Amen. Il connaît ta vie. Il s'est mis dans un cœur comme dans un livre ouvert, un gros livre comme il y a là-bas. On voit tout ce qui est écrit, et même Jésus voit toutes les souffrances. Il voit tout ton péché. Il connaît tout. Il est capable d'effacer, comme je le dis souvent, ton péché comme une nuée. Mais comme un maître d'école qui est écrit sur le tableau, il est capable aussi d'effacer. Il est capable d'effacer ton péché. Oui, tu vis avec ton péché, tu dors, tu manges, tu vas travailler. Oui, avec ton péché. Et la Bible dit dans Romains 6, 23, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors ce soir, Jésus peut donner la vie, mais éternelle. Mais avec lui. Et si on meurt sans le Seigneur, c'est éternellement aussi, mais loin. Il y a des grincements dedans, où il y a des pleurs, où il y a des flammes éternelles, où il n'y a pas de repentance, où Dieu ne se trouve pas. Et ce soir, il y a vraiment, Seigneur, une repentance, alors tu peux échapper à ce tourment. Tu peux échapper à tout ça. De Samuel, le chapitre 2, je crois. On va regarder vite fait. Oui, de Samuel 2, verset 15. Il avait dit que il avait juré notre perte. L'ennemi avait juré notre perte. Et il avait le projet. C'est ça exactement. Il avait le projet de nous détruire. Mais Jésus a enlevé la croix pour qu'on soit tous sauvés. Je ne veux pas qu'il soit sauvé. C'est pour ça que tu es ici sur ta chaise, que tu donnes ton cœur. C'est pour ça que tu es là et puis il y a un combat qui est meilleur. Et toi, vainqueur, tu peux être humain. Oui, quelqu'un de vainqueur. En saisissant la prédication de ce soir, en disant oui, Seigneur, je donne ma vie à l'instant même. Il va couper les ponts du monde et il va venir s'installer dans ta vie. Oui, dans la parcelle de ton cœur, il va habiter. Parce qu'il est tout puissant pour le faire. Je me laisse conduire, j'avais un message. Ce matin, bonheur, il était très bonheur. J'avais déjà fait un message. Un frère m'a appelé, il m'a dit, j'ai depuis 6h du matin, je suis en prière, je prie pour tous les pasteurs, je prie pour tout le monde, pour les pays étrangers, partout. Et j'ai prié pour toi. Elle dit, dis-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dormais? Je dis non. Je suis préparé à un message. Il était très, très bonheur. Mais peu importe. Mais le plus beau message, c'est la croix. Oui! Amen! La croix, alléluia! La croix, mes amis! Oui, c'était comme la chaise électrique, mais en pire, la croix. Aujourd'hui, on voit une belle croix, c'est beau. Mais c'était le martyr, là, qu'on passait sur la croix. Eh bien, Jésus a donné sa vie pour que toi, tu ne souffres pas. Parce qu'il a juré notre Père, c'est, il fera tout pour nous amener loin, loin de Dieu. Mais aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la grâce où le Seigneur veut se manifester dans ton foyer, dans ta vie, dans ton cœur.
On laissait l'orgueil de côté, on laissait tout ça. On vit les derniers temps. Et la Bible ne crie pas, il ne crie pas à moi dans mon cœur. Mais je crois qu'il faut crier, parce qu'aujourd'hui, les gens vivaient à l'époque de l'Ancien Testament jusqu'à 900 ans, 950 ans, 969 ans. Vous voyez un petit peu, presque 1000 ans. Et aujourd'hui, là, beaucoup disparaissent, très jeunes, un peu plus vieux. J'ai vu un cousin qui était pasteur. J'ai fait des études avec lui, on a prêché partout. Et là, l'année dernière, 62 ans, jeune, et bien voilà, il est parti, mais il est parti pour du Seigneur. Et aujourd'hui, il n'est plus le temps de s'amuser. Si auparavant, tu étais rebelle dans ton cœur avant, et bien aujourd'hui, je crois que ce problème qui se passe, et bien mes amis, les gens viennent écouter. Ils voient que l'on vit, la Bible dit que l'homme debout est un souffle. La vie de l'homme va plus vite qu'un courrier. L'homme debout n'est qu'un souffle, on est là en deux minutes. La Bible compare la vie de l'homme à une fleur qui paraît pour un temps. À la largeur d'une main, c'est pas terrible, hein, c'est pas très large. Un cri, à une vapeur. Voilà qu'est-ce que l'homme, sa vie, comment elle est. Mais aujourd'hui, je crois que si Jésus s'est donné à la croix, c'était pour sauver ta vie, parce que lui, il t'aime ce soir. Vous comprenez? Autant la vie de l'homme, c'est pas terrible. L'homme a toujours péché. L'homme a toujours fait ce qu'il a voulu. Mais Dieu dans son amour, a toujours eu de la patience pour sauver l'homme. Amen. Même à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, j'attirerai tous les âmes à moi. Jean 3, 17, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. Alors ce soir, tu peux être sauvé, moi je ne peux pas sauver. Il vous aime, il est rempli d'amour. Quand j'ai appelé, il m'a dit, je t'aime, Dieu. Et moi aussi, je dis ça. Et en vérité, que je vous aime. Le Seigneur, vous savez, j'ai un garçon qui me battait des 4-5 fois par jour. Oui, j'avais grandi qu'une haine. Ah, la vie ne m'a pas gâté. Alors, j'ai grandi qu'une haine, il fallait que je me batte, il fallait que je me fasse du mal. Ça me soulageait. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, alors je ne vais pas comment faire pour arrêter les gens, pour leur parler du Seigneur. Parce que le Seigneur veut déverser son amour. Il n'y a pas d'amour, peut-être. Tu as été, voilà. Hein? Les gens ne t'entourent pas trop. Et sache que lui veut t'entourer. Amen. Comme ce cantique dit que tu m'entoures, mon Dieu, de tous les côtés. Il veut t'entourer. Il a vu ton enfance, il a vu ta souffrance. Mais aujourd'hui, il ne veut plus que tu souffres. Il veut te donner ta joie. Et moi, il y a plus de bientôt 34 ans que je porte la parole de Dieu. Mais il m'a mis une joie intérieure. Où il n'y a plus de limite. Quand j'ai prêché à Rome, dans cette grande église, le Seigneur s'est manifesté. Il se sert de nous, maintenant. Quand j'étais à Naples, 200 km plus loin encore que Rome, j'ai prêché dans une salle, un sédentaire, une grande salle. Comme il y a besoin, il y avait. Et oh, si vous serez comme Dieu, vous pouvez dire. Amen. Il y avait une femme, on avait mangé vers eux. Elle n'était pas chrétienne du tout. Et là, j'ai dit par un garçon qui était là, j'ai dit, écoute, dès mon fils, elle a bien senti la présence de Dieu. Elle a dit non. Est-ce qu'elle a déjà donné son cœur à Dieu? Elle a dit non. Alors j'ai dit, dans la grande salle là-bas, on va prier pour elle si elle veut. Elle va recevoir la présence de Dieu. Vous savez, le diable est fort. Il a joué notre père et il fera tout pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Et là, cette femme, il a dit, voilà, le diable dit que si je donne mon cœur à Dieu, si je deviens chrétienne, mon fils va mourir. Satan, c'est un menteur, ne l'écoutez pas. Je dis, mais tu verras plus tard, oh, profite de la vie, profite, n'abandonne pas ton péché, reste comme ça. C'est un menteur, me dit la Bible. Et là, bien sûr, on a prié pour elle. Cette femme a commencé à se manifester, hein, parce qu'elle était prise un peu sur la prise de l'ennemi. Et cette femme a été libérée. Et ensuite, elle s'est donnée au Seigneur.
Son visage qui avait été angoisse, de la tristesse, a dit, je t'ai vu. Et aujourd'hui, c'est la joie. Et la joie est rentrée dans son cœur. La joie peut venir chez vous. Parce qu'aujourd'hui, on écoute un tel la veille des morts. Un tel est atteint du Covid, il est entubé. Ça ne va pas du tout. Les gens vivent dans le tourment. Je crois qu'il faut vivre plutôt dans le tourment parce qu'on n'appartient pas à Dieu. Et que notre vie n'est pas en règle. Quand on voit les gendarmes, quand on n'a pas de carte grise changée par l'assurance, les peu de liste, plus de contrôle. Et quand ils nous allons les voir, oh là mon Dieu, on a peur, ben on prie le Seigneur. Hein. Mais pour ton âme, tu n'as pas trop peur. Que la crainte de Dieu rentre dans ton cœur. Et qui te pousse ce soir à la repentance de l'accepter. La fin de toute chose est proche. David dit que le peuple se détruira par lui-même, et on le voit. Tout ce que c'est, tout ce ravage du Covid, c'est les hommes qui le jetent en l'air, et etc. C'est la Chine et plus l'Amérique. Mais voilà, c'est comme ça. La Bible dit que le peuple se détruira par lui-même, et on le voit. Et le péché, ben, ce n'est pas du bien. Hein? Et bien sûr, ton péché est inscrit comme un burin de fer devant lui, avec une pointe de diamant, dit la Bible. Et le Seigneur ce soir veut l'effacer, parce qu'il t'aime. Il t'aime, il faut lui d'abord de Dieu. J'étais parti, depuis 2 ans que je suis pas venu. Mais mon cœur, il est là avec vous. Et quand je viens ici, moi, c'est tous les soirs, je fais des réunions partout. Hein, et les sages, je les connais dans Marseille. Et c'est vrai, j'ai un grand feu de témoigner du Seigneur, de parler du Christ. C'est ma vie. Eh oui. Alors, peut-être qu'on t'a parlé, tu es venu à la réunion, là, tu te sens bien le soir, et tu sens que le Seigneur commence à dévoiler ta vie. Là. Hein? Amen, amen. Parce que le miroir de Dieu est là. Et lui, il connaît tout. Il sait tout ce soir. Il sait de où tu viens. Tu viens de très loin. Tu habites à côté, mais tu deviens de très loin. Tu avais peut-être mouru il y a bien longtemps. Le Seigneur n'a pas permis. Que tu sois là. Il fixerait un lieu pour que tu te convertisses. Et ce soir, il veut faire comprendre dans les cœurs que le seul qui peut pardonner, le seul qui peut nous amener au ciel, c'est Christ. Amen. Parce qu'il est la porte aux gens. Il est la porte des brebis. Il est le chemin. Il est la lumière du monde. Et ce soir, il veut t'éclairer. Amen. Il veut t'amener sur ce bon chemin. Et ensuite, Seigneur va faire passer de l'autre côté. L'autre pas, hein, où il y a la bénédiction. C'est la porte du péché. Hein. Et là, j'ai couru dans très jeune. À l'âge de 10 ans, je ne vous explique pas. Et jusqu'à 23 ans, alors, c'était fort, très fort. Et puis là, on est dans la même partie. Et oui, le Covid, il vient, il est là, il n'y a pas longtemps. Et le péché, il y a bien longtemps, il y a plus de 6 000 ans, il y a 6 000 ans. Quel péché est rentré dans le monde? Le péché est plus fort que la morsure d'un cobra. Le péché est un grand fleuve qui embarque tout sur son passage en étant embarqué. Le péché est une plaque qui sente les anglais depuis 6000 ans. Rien ne peut les rachoper. Seule la croix ce soir, seul le Christ. Amen. Amen. Il veut changer ta vie. Il vient, il polie. Et il frappe. Oui. Rentrez chez vous direct comme ça, se mettre à table, si vous mangez, poussez les enfants. Peut-être un gros canapé, allumer la télé, je ne sais pas, on va prendre la douche, chez vous. Non! Il y en a des effrontés, hein? Jésus n'est pas effronté, l'ennemi vient, lui. Il s'installe chez vous. Il s'assit sur le gros canapé, là. Hein? Et là, le petit joueur, là, ce que tu veux, hein, je te donne tout. Allez, eh oui, c'était mon ami à l'époque. Je ne savais pas que c'était mon destructeur, c'était l'ami. C'était l'ami de tous. Mais l'ennemi de tous, il a été vaincu à la croix, il a écrasé la tête de Satan, et nous sommes victorieux aujourd'hui parce qu'il a dit dans nous que Christ crucifié mais ressuscité. Amen. Ce soir, c'est pas un Dieu mort qu'on prêche. Dieu de Jacob n'est pas un Dieu des morts, il est vivant. Là, il y a des vivants. Nous, on était morts avant. Morts dans nos offenses, dans nos péchés. Il n'y avait rien. Peut-être que moi, le petit homme, t'avais dépassé comme ça, parce que un sable mouvant. Ah, Seigneur. Ma compagne, elle a fait une belle vie, moi. Hein. Je vous le dis,
Aujourd'hui, elle respire, elle est bénie. Amen. Amen. Oui. Amen. Six Amen. Enfants, merci Seigneur. Hein? Je bénis Dieu, mon fils est pasteur, tu connais. Ruben, il n'a pas pu lire, il est fatigué là. Il a travaillé toute la journée, il n'a pas arrêté dans des trucs. Mais son cœur était là, mais il ne pouvait pas venir. Mais voilà, mes filles sont chrétiennes. Amen. Quatre filles, mes deux garçons. Alors, pas étonnant que l'homme de Dieu a dit, moi et mon foyer, mon bétail, mes enfants, vous servez mon bétail. Amen. Ne servez pas Satan, maman, non. Amen. Servez Jésus. Prenez la décision de le servir. Vous verrez, votre vie changer, même pour vous, chrétiens. Qui ont une petite vie médiocre, comment? Vous comprenez? Jamais il ne se passera rien dans vos vies, dans vos foyers. Si vous payez le prix, non, Seigneur, il n'y a pas de chance. Il a écouté vos prières. Ce soir, Christ vous aime. Vous comprenez ça? Le message, je me suis laissé conduire. Je suis un garçon comme ça, moi, je suis comme le frère. On se laisse conduire par son esprit. Ça ne servira à rien. Alors nous, c'est un esprit, on est descendu. Le Saint-Esprit convainc des péchés de justice et de jugement. Amen. C'est lui qui frappe dans ton cœur, c'est lui qui dévoile. Eh oui. Ah, c'est lui qui te dit, eh bien, Jésus t'aime. Et Jésus peut rester à la croix, le tombeau. Oh, j'y étais plusieurs fois à Jérusalem, il y en a plein qui ont été. Le tombeau est vide. Eh oui. Il est parti vous préparer une place afin que vous y soyez aussi. Et bientôt, on va rentrer chez nous. Amen. Puis à Vitrolles, puis à Marseille. Et là, Seigneur, il y a le premier ciel qu'on voit avec les yeux, le deuxième, il y a le trône de Satan, le troisième, il y a le trône de Dieu. Bon, bientôt. Trois livres seront ouverts en haut. Livre des œuvres, livre de vie et la Bible. Apocalypse 5:15, quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. On ne veut pas y aller. Hein. Non, non. Vous avez vu l'été quand il fait chaud, qu'on n'en peut plus là. Vous avez vu un peu, on souffre déjà. Et bien, vivez-vous un petit peu. Les flammes éternelles, vous dites la Bible. Alors moi, je ne veux pas aller là-bas, je veux aller avec Jésus. Amen. Il y en a qui veulent aller avec Jésus le soir, qui veulent aller là-bas. Amen. Oh, c'est un paradis merveilleux. Eh bien, faut que tu t'humilies, faut que tu demandes pardon. Amen. Et faut que tu l'acceptes en ton cœur. Comme sauveur. Amen. Comme sauveur et maître. Des fois dans la croix, même le poisson varie. Hein? Dans les cantiques, à Gogo, Seigneur, on n'a pas de Christ. Je suis près de leur bouche. Quand on a besoin de lui pour l'enfant, si, pour là. Mais je suis loin pour que. Jésus veut rentrer dans ton cœur. Amen. Il va habiter chez toi. Vous Amen. Comprenez? Le péché, lui, il habite dans des gens qui ne sortent plus, c'est fini. Les gens sont pris par les joints, par tout ce que vous voulez, par l'alcool. Partout, ces convoitises du péché, de toutes sortes de choses. Et là, ce soir, c'est autrement. Là, c'est la sainteté. Et la sainteté qui veut rentrer chez toi, qui veut bénir ton foyer, qui veut transformer ta vie, mon ami. Ce soir, il est temps de chercher l'éternel. Il est temps de l'invoquer, ce soir. Invoque-moi au moment de la détresse, je te répondrai. Alors, ce soir, il y a de la détresse dans ton cœur. Il veut te répondre. Amen. Elle dit, je lui ai donné un temps pour se repentir. Elle te donne ce temps ce soir. Parce que demain, peut-être, tu partiras du Covid. Tu as peur. Ça atteint le vieillard. C'est mon neveu qui est pasteur en ce moment. Il est branché. Hein, il fait les réunions. Il se défonce pour l'évangile. Il y a un gros travail qui se passe à casse là-bas. Et là, on m'a vu. Et là-bas, on a prié. Prie pour moi, mon nom. Eh oui, et ça va mieux. C'est Dieu a béni. Alors, si tu as des mal jusqu'à maintenant, parce que le péché nous fait mal, on ne peut pas être bien avec le péché. Hein, c'est vrai. Mais Christ est capable d'enlever, comme il enlève la dent, il fait mal, le nerf. Hein? Il va évoquer ton péché ce soir. Amen. Il va habiter ta maison. Amen. Il va habiter ton cœur, ta vie. Oh Seigneur, laisse-le rentrer le pain de la paix. Et quand Jésus rentrait dans Jérusalem, on étendait leurs manteaux, des branches de palmier, d'olivier, en criant Hosanna. Tu peux crier aussi. Hein? Béni soit le nom hein, du Très-Haut. Parce que Seigneur, j'ai compris ta parole ce soir.
Et là, ce soir, mon cœur, il tape dans moi. Et je sens que tu m'appelles. Alors ce soir, n'attends pas dans la prédication au miracle. Alors demain, tu n'appartiens pas à la nôtre gueule. Tu n'as pas besoin de lunettes. Hein. Et enfin, il a des lunettes. Il n'en est pas. Il les enlevait. Le diable, lui. Il n'a pas besoin de lunettes. Et puis, des fois, il y a un mariage, on envoie des cartes de visite pour inviter les gens. La mort, elle ne nous invite pas. Elle vient, elle nous prend. Et c'est vrai, Seigneur. Elle nous prend en deux minutes. Ça va vite. Chez nous, il y en a plein. Vous comprenez ce soir? Je ne veux pas vous faire peur. Je vais vous faire comprendre que l'homme de vous est un souffle. Il a dit que l'homme a plus vite qu'un courrier. En deux minutes, on est là et on disparaît. Surtout aujourd'hui, c'est temps mauvais. C'est temps de la fin, où il n'y a plus rien qui va. C'est là qu'il faut donner son cœur à Dieu. C'est là que vous avez compris, faites-le pas par peur. Faites-le parce que vous l'aimez. Faites-le parce que vous avez compris que Jésus a souffert pour vous. Et à la croix, il a dit, quel était? Il a dit, Père, pardonne-le, car il ne sait pas souffrir. Quand on fait des choses dans le monde, on ne sait pas. Vous comprenez, les vieux disaient, il ne faut pas faire ça, mais lui, comme ça, des conseils. Il entend les jeunes, on s'en fout, les conseils. Non, le Dieu qui est pénible, il est profond, hein. Et on a pensé, ah ouais, mal, hein. Hein, la France est dure. Et un jour, on est venu. On a pris la porte, il y a de la pizza, on a foncé à la réunion, on a écouté la parole, on a dit, oh, c'était bon. Hein? Ah, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bon, c'est bon l'évangile. Alors j'aimerais faire une appel ce soir. Il n'est pas venu qu'un bâton, qu'un fouet, bien qu'on l'a fouetté. Il est venu avec son amour, avec ses mains percées, avec sa grâce, ta grâce. Il est au milieu de nous. Oui, le temps de la grâce n'est pas passé. Alléluia. Alors, j'avais plein de textes encore à lire, mais il est celui qui veut jeter une corde. Amen. Et une corde. Un jour, écoutez, je vous donne un témoignage. J'ai de la famille, j'ai retrouvé des oncles 35 ans après. Famille, oui. Et donc, là, il y avait un petit garçon, c'était de l'autre côté de Toulouse. Un petit garçon, il avait 10 ans. Aujourd'hui, il va être pasteur, il a été reconnu pasteur. Il est grand comme ça, là, il avait 10 ans. Là, il y avait un puits. Puis il sautait sur cette grosse pierre immense, j'ai dit, écoute, mon petit, 20 ans. Parce que si la pierre tombe, tu vas tomber dans le puits. Et il rigolait, puis il sautait. La catastrophe d'un moment est venue, la pierre s'est tout en deux, et il est tombé peut-être à 7 mètres de profondeur. Et c'était pas trop large. Le père, là, il crie au secours, sa mère courait dans le village avec les bras levés. C'était son fils, vous comprenez un petit peu. Et là, j'ai eu la pensée, moi. Dis vite, vous trouvez une corde, on m'explique quoi. Alors il combattait, tu combats pour venir à Christ. Il y a des combats dans votre foyer. Oui, parce qu'ils ne veulent pas. Écoutez bien. Et là, il combattait, il était rempli de vase. Il a un rebord, dans le puits, là. Il y avait un petit rebord, il a pu s'appuyer. Ce soir, il y a le rebord de la parole de Dieu. Tu peux t'appuyer sur lui. Et là, il a acheté une corde et j'ai dit surtout, lâche pas la corde. Et là, toutes ses forces, et là, on l'a tiré à sa croix. On l'a sorti. Il veut te sortir comme ça. Mais il veut te sortir de ton péché. Il veut te sortir de la mort. Parce que là, le salaire du péché, c'est Dieu. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors ce soir, veux-tu de la vie éternelle? Alors c'est ça! Qu'est-ce que vous faites, Dieu? Pas besoin de marcher à pied, là, jusqu'à Marseille, porter des poids. C'est mort. Je vais mettre sang, non, pas du tout. Tu n'as plus qu'à venir avec ta misère, ton péché. Et dire, Seigneur, je suis courbé. Ah ben, le dernier point. J'en peux plus, c'est l'angoisse. Ma vie va plus, je suis en dépression, je prends des cachets. Tu es jeune, tu prends des cachets. Ça va plus. Seigneur, tu peux devenir mon cachet. Alléluia. Ah oui, il va calmer tes douleurs, il va enlever ton péché et il va habiter ton cœur. Alors est-ce qu'il y a une personne ce soir? Car y compris, je m'adresse à ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Dieu.
La prédication ce soir, c'était pour toi. Seigneur, a pas permis que je parle il y a quelques jours et j'ai eu des difficultés pour venir à Marseille. Je savais que Dieu allait m'envoyer ici. Amen. Et puis là, je viens de donner ma vie, Seigneur, de vous dire. Alors veux-tu ta grâce, saisir ma grâce, veux-tu de Jésus dans ta vie, dans ton cœur, à la personne de ton cœur, invite-le. Alors tu as pu lever la main. Oui, de Dieu, Seigneur, me voici. J'ai compris ce soir, je te donne ma vie. Je donne mon péché pour une main qui se lève. Je bénis Dieu. Merci Seigneur pour cette deuxième personne, pour Christ. Pas pour Dieu. Une troisième personne ce soir qui fait la paix avec moi. Tu feras la joie de mon Dieu. Je vois encore une main qui se lève là-bas aussi. Quelle beauté. Donnez-lui votre cœur. N'attendez pas que quelqu'un lève sa main. Aujourd'hui, c'est la main de ton cœur qui lève. La main de ton cœur, de Dieu Seigneur, viens mon secours. Je t'aime, je te donne ma vie. Je te donne ma misère, je te donne mon péché. Levez les mains, oui. Oui, acceptez-le comme sauveur. Il n'est pas venu comme un juge. Il est venu comme un sauveur. Il a une appel. Il appelle, il a dit quand je serai de vie. Tous les femmes à moi, tous les jeunes filles, les jeunes garçons. Et là, il t'appelle. Je bénis Dieu pour tous les mains levées, laissez les mains levées. Je priais pour vous. Il serait quelqu'un encore. Il veut donner son cœur à Dieu. Alors tu peux le faire. L'ennemi te dira non, plus tard. Plus tard, c'est le jour du diable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Je bénis Dieu, je vais prier pour vous. S'il y en a un qui veut le faire, et Dieu Seigneur, je te donne ma misère, mon péché. Je te donne ma vie, je viens vers toi. Parce qu'il n'y a plus d'issue, lui, dans l'instant d'issue. Jésus a un chemin tout tracé. Il a préparé pour toi. Viens à lui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait changer de vie? Et Dieu Seigneur, oui, je te donne mon cœur entier. Seigneur, tu vas les faire lever et tu les connais. Ta parole est vivante. Merci pour ton esprit qui la rend vivante. Alors je te demande d'agir, de venir. Seigneur, toi ces mains levées, on vous l'envoie dans leur cœur. Toi ces personnes qui demandent pardon à Dieu. Dites-lui à votre place, Seigneur, je demande pardon. Seigneur, pardonne mes péchés. Rentre dans mon cœur, je t'accepte comme sauveur. Faites-le maintenant, j'ai pris pour le faire. Et Seigneur, viens, viens. Oui, il vient dans les foyers, dans les cœurs. Oh, merci Seigneur, pour ces personnes. Je demande de les visiter, de les bénir. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Et pour toi, mon ami, quelqu'un est trop grave. Fais la soif de l'entendre, t'es pas venu. Fais la soif. Tu sens comme t'es bien dans la présence de Dieu. Ça va vite pour partir dans le monde. Ça va vite, on est entraîné par des copains, des petites choses, on église des petites réunions. Et à soir, tu es là et ça te fait du bien. On vient vite courir dans les bras de ton Père. Alléluia. Viens, viens Dieu, soir. Reviens vite. Sinon, le Bible dit qu'il n'allait pas le chandelier de sa place. Je bénis Dieu pour sa présence. Vous pouvez baisser la main. Dieu vous voit, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Moi, je ne sais rien, soir, je lui ai fait confiance. La Bible dit, celui qui craint l'Éternel, il possède une grande confiance. Alors, on craint l'Éternel et on l'aime avant tout. Et je bénis Dieu. Je ne suis pas parti, il y a quelques jours, se déraper son plan. J'ai supplié le Seigneur. Seigneur, viens, mon Seigneur. Et je l'ai fait. Amen, amen. Tu as crié à cause que tu as crié. Il est venu. Amen, amen. Et il t'a pardonné. Et des noms nouveaux. On t'a inscrit dans le livre de vie. Je veux ceux qui l'ont accepté qui se lèvent sur place. C'est pas un spectacle. Oui, ceux qui ont levé la main, qui ont accepté Christ. Bon, j'ai vu aussi. Hein. Levez-vous. Levez-vous. Et mon Dieu, on donne son cœur à Dieu, on lève la main devant Dieu devant les hommes. Oui, je bénis Dieu pour ces personnes. Continuez à faire la réforme. Engagez-vous à passer par les eaux du baptême, lui obéir, comme lui dans le jardin, où il fut baptisé.
Oh, quelle grâce. Oui, venez. Venez à Christ tel que vous êtes. Il a le pouvoir d'aider. Il va vous aider. Il va vous bénir. Alléluia. J'aimerais que le frère Juan prie le Seigneur.